Yo les petits potes, c'est Brickyo, dans cette nouvelle vidéo sur Clash Royale. Les gars, aujourd'hui on va tout simplement faire le défi du méga deck, les gars. Le but c'est, regardez, j'ai fait 4-0, je vous montre, je viens de faire les games. Voilà, donc j'ai fait 4-0, voilà, j'ai créé un deck. Voilà, si vous voulez le voir, je dis pas que c'est le meilleur deck, mais pour moi c'est un des meilleurs parce que j'ai pris 3 tanks, les gars, comme vous voyez, j'ai pris 2 bâtiments, 2 sorts. Plein de troupes de soutien, 2 win conditions avec les tanks, ça fait 4, et après c'est plein de troupes de soutien, des troupes pour cycle, etc. Après les filles du méga deck, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas un meilleur deck, c'est un peu tous les decks, et voilà quoi. Donc c'est parti, on tombe sur Meran de H. Donc on a juste un petit bélier là, de son on est ici de tout le temps, les gars. Ok, donc là on va BDF. J'ai un DDE, donc ça c'est good. Non mais il a pas dit oui, ça va tant mieux. Là ce que je vais faire c'est pour qu'il saute dans le vide. Il saute pas du tout aussi. Ok, petit TDE. Suivi d'un petit sorcier. Les gars, sorcier très très fort en ce défi. Il est très polyvalent. Même s'il est un peu faible en point de vie, c'est pas grave. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'il détruise absolument toutes les troupes, et c'est clairement ce qu'il fait. Et c'est génial. Voilà, juste mettre une petite test. Oh, voilà. J'aurais peut-être pas dû la mettre en fait. Bon. La question c'est, est-ce que je pars du même côté que lui? Ouais, en vrai, je vais aller défendre son golem. Je vais laisser mon golem, tant pis, c'est pas grave. J'ai un géant, c'est ça. C'est pour ça que je préfère avoir plusieurs win conditions, parce que si t'en as qu'une seule, 2-1 c'est dur à la cycle et. Merde. Je crois que j'ai légèrement failli mes flèches, ouais. Nice, ça, nickel, bien. Bien joué, break. Bah yes. Ok, donc lui aussi je vous appuie. Est-ce que ça nous arrange? Non. Donc c'est pas grave, le MK attention dans tous les cas, je savais qu'il allait se faire détruire. Nous on a un géant à gauche qui met pas mal de pressure. Hop là, nickel. Là, le Zapi qui va faire très mal. Très très bien. Ok, non. Oh, nickel, le Zapi, je le kiffe. Allez les gars, on se part un peu. Ça vous tente? Ça vous tâte un peu? Bon les gars, c'est maintenant comme ça qu'il faut gagner. Hein. Je pense, les gars, demain ou après-demain, je sortirai une vidéo. Parce que là, ce soir, je vais vraiment beaucoup travailler le top 10 000 monde pour le faire. Voilà, tout simplement. Oh non, non, la voleuse, frère. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, les gars, nous on a les 2 tours quasiment là. Petit cochon. Question d'un petit bûcheron. Ok, donc là, il essaie de défendre au maximum. La T2 qui va faire le taf, normalement. Ok, il met un petit golem. Nous, on va mettre juste ça là. On va mettre. Oula. Oula, oula frère, calme. Là on va mettre le petit MK, Defamax, voilà. Wesh, lui il a pas le temps. Lui il a pas le temps les gars. Ok, normalement ça va gérer un esprit de feu. Ok les gars, première victoire contre Meran de H, d'un clan arabe. Ok. Bah nickel, on récupère 3000 de pièces, ça fait plaisir. Allez go, on repart directement sur sa 6ème victoire les gars. On tombe sur Chanon de Shieldplay. Ok, petit cochon tranquillement. D'ailleurs les gars, j'espère vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir parce que j'ai vu que 70% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés les gars. Vraiment abonnez-vous, ça me soutient énormément. Et merci à tous ceux qui le font. Ok, bon. Wesh. Là monsieur, ça fait beaucoup là. Normalement mon MK qui se fait dead défoncé. Ok, donc on va partir en golem first play les gars. Ça fait très plaisir. D'ailleurs les gars, j'ai créé plein de decks et je vais avec toutes mes cartes niveau 13 les gars. Et je vais essayer d'en faire une vidéo les gars où je rush les trophées. Je pense que je le ferai pour demain les gars, et après demain la vidéo de Tête d'Union, parce que je pense que j'ai perdu pas mal de trophées parce que les decks ils ont pas vraiment de sens, je vous avoue.
Genre, on a du golem double prince, les gars. Bon, je vais pas vous spoil, mais on a des decks vraiment. Voilà quoi. Pas très commun. Alors, même pas du tout en fait. Ok, le Zap X s'est défoncé, les gars. Pour l'instant, il défend très très bien. Pour l'instant, il joue très 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 bien, le monsieur là en face. Chanon. Petite boule de feu. Ok, donc il est niveau max. Après, on y arrive à son profil. Toutes les pièces niveau max en général, je fais regarder leur profil. Ok, donc là, on va directement mettre un G1 6 pour aller détruire, enfin détruire cette cabane déjà. Ah, il joue G1 Royal, d'accord. Ouais. Il a pas le temps lui. Mais bon, c'est pas normalement le G1 Royal qui met que un coup. Ah ben il en met un deuxième en recul. Nice, c'est super ça. Là, le sorcier, voilà où est l'utilité du sorcier, c'est qu'il fait énormément de dégâts de zone, les gars. En fait, le sorcier, dès qu'il est joué, il est très fort. Il est juste un peu faible, mais en niveau point de vie, mais sinon il est très très fort, les gars. Beaucoup trop de monde le sous-estime. Hein. Alors, il y a deux, il y a les gens à bas niveau qui vont dire qu'il est fort, et il y a les gens à haut niveau qui vont dire qu'il est nul, mais pour moi, il est très fort. Hein. Et pourtant, je suis pas ultra haut en termes de trophées, mais genre, je veux dire, j'ai les bases, quoi. On va dire ça, j'ai les bases. On va dire, j'ai les bases. Par contre, là, le mec, il nous met la pression grave. Hein. Non, la princesse qui court, sérieux. Il défend très très bien notre ami là. Là, je vais mettre une Tesla, je pense. Enfin, aller gérer ça. Ok, nickel. On va partir en golem, les gars. Ok, donc là, c'est la seule game de série que j'ai faite pour l'instant. C'est super cool. Wesh. 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 Kid Fireball, les gars. Pour aller sur ces gargouilles. Le bomber aussi, très très fort. Très très bonne carte, les gars, le bomber. Juste, il est très très faible en termes de points de vie, mais. Ça, on va dire, c'est un détail. Ouais, mais sa mère, je passe quand là? Je mets des gens comme ça. Là. Je vous avoue, je sais pas trop comment passer. Hein. Les gars défendent très très bien toutes. Oh yes, il viendra de sa fournaise là, il me semble, non? Frère, tu vas me ta. Ouais, il vient de sa fournaise. Ça, c'est parfait pour nous, les gars. On va mettre un petit Iwiz ici pour aller gérer cette princesse. Les gars, faut absolument que je garde la TDE pour son géant royal. Son géant royal qui va nous faire très très mal si on ne le défend pas. Ok, il a encore envie, bah c'est cool. Ok, 60. Ok, là, il nous gagne pour l'instant. Les gars, faut pas le laisser faire, faut commencer à spam. J'annonce, les gars, je vais spam là. Je vais mettre une Tesla, les gars, pour aller gérer ces gargouilles. Non, pour aller prendre 0 dégâts, c'est parfait. Dégâts sur Jean Bomber, les gars, on va aller mettre le petit méga chevalier. Suivi d'un petit mini P.K., les gars. Il joue méga chevalier aussi, très très bien. Ok. Ok, là on va mettre un petit golem, les gars. Et il savait que j'allais mettre le golem. On va vite mettre la TDE qui nous a. Qui, je ne pense pas, avait prévu ça. Dans tous les cas, je pense que ça va être une lose, les gars. Puisque. On n'a pas fait assez de dégâts. Peut-être si j'arrive à faire. Oh, le beau pré-shoot. Oh, les gars, le très beau pré-shoot. Dommage. En vrai, well played, les gars. En vrai, il a bien joué. Il a vraiment défendu tout notre push à la perfection. Et voilà, voilà. Nickel. Ok. Bon, les gars, son profil. Ok, ouais, 5K8 avec un deck assez chelou, d'accord. Ok. D'ailleurs, les gars, dites-moi si vous préférez le son du jeu ou les musiques d'ambiance que je mets. Parce que je peux pas avoir l'un et l'autre, donc je sais pas quoi choisir. Ok, petite Tesla, très très bien.
On va tenter des trucs. Tu le tentes rien à rien. Ok, wesh, il a combien de bâtiments le frérot là? Il a plus de TDE. Petit zappi les gars. Oh oui, ça touche. Oh parfait. Oh le frérot, il a une roquette là. Ah, ça peut pas être sympa ça. Wesh, il a un deck ultra cycle ou c'est moi là? Ok, la Valkyrie qui met un coup, la Valkyrie qui met deux coups. On va faire ça, j'ai raté le tour mais c'est pas grave. Méga chevalier les gars, pour aller gérer ce feu à gobelin. Ok, il remet un méga... Wesh. Ouah, c'est un forceur le gars. Ah, c'est des gobelins 10, c'est vrai, putain, on est... Oh là là. On va faire une petite... Oh là là, mais quel... Oh là là, mais quel joueur français. En vrai, là, il est grave dans la sauce, non? Ah, mais frère, il s'y trop vite pour moi, là. Hein. Ah, c'est trop cher. Ok, là, on spam, les gars. On spam, j'annonce. C'est sûr, il a fait un mélange de deux decks, je promets. Allez les gars, on spam. Allez, spamming mode autorisé. Ah bah là, dès qu'on spam, le gars il arrive plus à défendre là. Hein. Et les gars, ça va être. On va partir. Ah, chiant ça. Vas-y, en vrai, je vais full def. Je vais mettre une Tesla ici. Une TDE ici. Dommage que les flèches ça finisse pas. C'est pas grave, on va attendre la BDF hein les gars. Ok, bon, là on va juste cycle. Ah mais je joue pas Bah tant mieux pour nous en vrai. Ok les gars, bah good game. Voilà. Ok, on a détruit ce mec les gars. Là j'ai pas d'autres mots. On a mis un golem, on a spam toute notre daronne et c'est passé. Donc tant mieux pour nous. Ça fait plaisir. On passe aussi une victoire les gars. Il nous reste 15 000 pièces les gars, 15 000 gold, c'est énorme. Juste pour une idée, c'est énorme 15 000 gold. Vraiment, pour un défi mec, c'est vraiment bien. 15 000 gold. Les gars, faites ce défi, il est ultra vaillou en vrai. Hein. Mec, c'est 8 victoires, tu gagnes je sais pas combien d'or. Je crois que c'est 17 500 en tout cas dans le genre, mais c'est bien. Ok, donc là les gars, il a décidé de spam. Un peu comme moi tout à l'heure, mais c'est pas trop grave. Ok, les petits halouf royaux, les gars. Niveau 8. Bah, ça nous arrange, hein. J'ai pas l'autre mot à dire. On va mettre le Baby Dwayne. Ah, c'est un dragon électro, il est trop chiant. Ok, musique. On va mettre un Zappi, les gars. Là, je vous avoue, j'ai un peu une main un peu assez éclatée. J'aurais dû mettre le fond de map. Ah non, c'est Monica, j'ai le géant. C'est le géant, les gars, j'ai le géant. Ouais, je sais quoi ce méga chevalier là, frère. Oh, il nous a fait quoi le monsieur là? Oh là, le zappi, les gars, regardez les zappis, regardez les zappis. Oh là là, ce zappi, je l'aime. Regardez les zappis. Oh là là, mais il est trop con lui. Lui, par contre, il atteint un niveau, ok, il peut le faire quoi. Ok, je vais mettre des flèches pour juste les détruire vite, le plus vite possible le DDE. Bon les gars, cette win elle était donnée. Lui ça se voit que ça fait 1h13 d'aller sur le défi, hein. Obligé. Alors, il y a la passe de combat, il a pas de clan. Il a pas touché une tour, je vais venir 3-0 les gars. Ouais, je pense que ça fait bien une heure qu'il est sur le défi. Hein.
Ok les gars, 5000 gold, ça fait plaisir. Ok, voilà son profil, parce que là, lui, voilà. Lui, obligé, ouais, ça c'est son deck obligé, lui, ça faisait une heure et sur le défi. Ok. Les gars, on part sur cette dernière game de ce défi méga deck, les gars. J'aime bien, franchement, j'aime bien. En fait, j'aime bien, mais ça change, tu vois, des défis mort subite. Enfin, mort subite, en vrai, c'est mon mode de jeu préféré. Donc, je vais pas me plaindre, mais genre, défi double, défi du tirage, défi triple. Défi normal ou avec les troupes qui spawnent derrière, ça c'est assez chiant ça je trouve. Ok donc le gars doit sûrement jouer un lockbait maxé ou un double fût maxé aussi. Ok les petits gobelins pour aller gérer ce dart. Et il a très très mal joué là. Ouais, je vais mettre un golem petit quoi. J'espère de tout cœur les gars qu'il a pas de T2. Parce que sinon je suis dans la sauce. Ah. En vrai c'est pas grave, j'ai un B2. Ouais, si le PK aura le temps, il va avoir le temps de mettre 3-4 coups. Ok, ça c'est good. Là les gars on active le mode cancer. Ça je pense que c'est un des pêches les plus cancer que j'ai jamais vu. Je pense que les gars on est tous d'accord sur ça. Le zappy les gars, oh le zappy, le zappy. Le Zappy les gars, le Zappy, vous le connaissiez pas le Zappy hein. Ok les gars, le Zappy. Oh le Zappy les gars, le Zappy. Ok là j'ai une petite Tesla. Ah bah d'accord, le Zappy fer il a tout éclaté. Bon bah tant mieux. Ok ok. Ok les gars, mais des petits queues pour aller tanker un petit peu le fuyeur gobelin. Ok, il met un chasseur. Nous, on va spam comme d'habitude dans tous les cas à chaque fois qu'on fait un push. Puisque ce mode, c'est le mode méga spam. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, les gars. C'est que ça, c'est un peu le défi du méga spam. Hein. Genre, t'as plein de cartes et tu peux mettre le deck que tu veux. Et à tout moment, tu mets genre 5 ou une condition, ça passe. Hein, vraiment. Bah regardez-moi les pushes que je fais, genre golem, méga chevalier, Zappy, genre, s'il te plaît. En vrai, j'ai pas sur l'autre côté. En vrai, les gars, j'ai pas sur l'autre côté pour aller choper le 3 coucou, puisqu'il a mis un PK, il a plus rien pour défendre mon Zappy. Ok, et mon golem aussi. Donc là, je vais juste mettre un... Ça, wesh, comme il spam, frère. Wouh. Oh, c'est hard. Oui, c'est hard. Bon là par contre s'il défend j'arrête le choix, c'est bon. C'est impossible qu'il défende là. Impossible. Oh là là, il y a même chasseur en même temps. Oh la quiche. Bon bah les gars, super combat. Voilà. On fait des pêches de fils de pute les gars. Oh les gars. Oh là 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 là. C'est défi d'une facilité les gars. Waouh, c'est incroyable. Oh là 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 là. C'était une facilité les gars. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et aussi les gars, dites-moi des défis que je pourrais faire aussi des défis que je pourrais faire en défi. Ou des présentations de decks les gars. Vous voulez que je vous présente des decks quel type d'archétype vous voulez que je vous présente pour pouvoir monter, à quel niveau de trophée, etc. Sinon les gars, ciao.